C'était la crise, donc on était obligé à faire face par rapport aux mesures sécuritaires qui ont été prises par la présidence et le gouvernement malien, c'est-à-dire l'arrêt de toute activité de banqueting, tout ce qui est réunion, séminaire et tout. Donc avec la fermeture des frontières, on n'avait plus pratiquement, à cette période-là, plus ou moins 25 chambres seulement. Donc on était obligé, on a pris un temps de réflexion. Pendant ce temps de réflexion, on a mis les gens en congé. Par la suite, on a vu que tous les hôtels de la place, ils ont procédé au chômage technique. Donc on les a suivis, bien entendu, on a fait la même chose. On était obligés, donc on a fait sortir les gens au chômage technique. Et ils devraient reprendre le travail le 1er juillet, ce qui a été fait. Le 1er juillet, on s'est trouvé avec 240 employés. Des deux unités, l'hôtel Farouk et l'hôtel Amiti. Mais ça fait maintenant plus de 6 mois, l'entreprise ne peut plus supporter ça. À chaque étape, il y a eu un dialogue. À chaque étape, on les conviait à des réunions. Avec les employés, on parlait toujours avec les chefs-service, bien entendu, soit les chefs-service ou dans le cadre d'une réunion avec les délégués ou bien les syndicats. Les employés, vous savez, les employés, leur priorité essentielle, c'est le salaire. Et nous, on a assuré ça. La situation d'aujourd'hui s'explique par le fait qu'il y a eu rupture de dialogue. Qu'il y a eu rupture de dialogue de la part de cette direction qui ne nous a pas concertés pendant tout le processus de ce licenciement. Ils sont en train de dire qu'ils nous ont concertés, c'est archi faux. Nous n'avons pas été saisis par rapport à ces dossiers. Les rencontres reportées au niveau de l'inspection de travail ont été notifiées et les raisons ont été évoquées. Nous avons demandé à tenir des assemblées générales pour pouvoir informer notre base, mais cela, ils ont refusé. Ils ont refusé les rencontres. L'UNTM a envoyé des lettres pour entrer en discussion avec cette direction. Ils ont refusé, ils n'ont pas répondu. Et nous, on ne peut pas aller défendre des gens dont on n'a pas leur avis. C'est l'objet des rapports qui ont été tous notifiés au niveau de l'inspection du travail. Nous en avons les preuves. On est resté dans la légalité telle que demandée par la loi malienne. La loi portant code du travail. On a respecté scrupuleusement les articles L46 et suivants, puisque c'est dans ce cadre qu'on est. C'est des gens qui contestent jusqu'à preuve du contraire leur licenciement, mais ne le contestent pas de façon légale. Ils refusent de recevoir notification de la lettre de licenciement. Sinon, on a calculé les droits qui sont là, et voilà, qui peut être à tout moment mis à leur disposition. On tendra congé de là. On tendra congé maintenant, les temps où l'on veut congé. On va barrer d'amener les premiers. Les premiers, en ce qui est on en a sur un licenciement papier, bien, mais garder un boulot d'ala. Hay hôtelier, direct garder un boulot d'ala. Donc, on est dans la cour où il lisse le boulot. Bon, il faut la gêner, tout va là. Ni gérer, il va amener, il va ta, il nous veut comment. Ni ma gêner, il va faire. On va même faire mes calama. On m'aura, on connaît faire là. Mon client a un accord droit de la mouma. Mon client a un accord pour qu'on nous sera à moi. Qu'on est capable de droit au moins. Galop pour problème bébé et sur le travail. Comment se fait-il que obsenga et papier d'inouma comme rôle licencié quatre la tournée qu'on n'y est tourné parce que avocat au refond qu'on fait tout la dîner qu'on a encore un rôle licencié qu'on a sur le coup et papier tout le monde. Entre où les faits où les go calme mon rôle licencié. Quand les lettres qui est et Duma quand il y a réconciliation avec. Donc maintenant ça on a été quatre les faits quatre les et direction nationale du travail ouille ouille où les ouille où les you ouille quand on ouille kugata angasiki kakuma ouille bangata où les là la lettre ouille dit en main comme quoi quand on doit na baraque quand le mal licenciement comment faire. En na na kame dola nous go konno kon bara banasa en la yine mi bi. C'est-à-dire parce que quand il y a un maquet de ou quand a un il y a un licencié. Il y a un licencié. Mais il y a un licencié. Il y a un licencié.